Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis accompagné de ma femme Ayumi et nous sommes à Animasia pour tout le week-end. Allez, générique! Encore une fois, le festival d'Animasia a été vraiment génial. J'ai rencontré pas mal de visiteurs, mais aussi de nombreux abonnés qui avaient fait le déplacement pour me rencontrer. Côté stand, il y avait bien entendu pas mal de choix, aussi bien des goodies, des figurines, des costumes et tout un tas de décorations. J'avoue que pendant le week-end, j'ai été tenté plus d'une fois. Il y a beaucoup de stands qui m'intéressaient. Surtout ceux de bouffe. Tu me connais maintenant. On pouvait également retrouver nos nombreux auteurs et mangaka. Il y avait un espace restauration en mode food court où on pouvait retrouver de nombreux stands de nourriture et après on n'avait plus qu'à s'installer aux tables pour savourer son repas. Il y avait des stands de dédicaces où on pouvait rencontrer de nombreuses personnes comme Very French Trip, Parisian TV ou même Badge. Et pendant ce week-end, j'ai eu la chance de pouvoir intervenir sur deux conférences, une en duo avec Parisian TV où on a parlé de la nourriture insolite japonaise et coréenne, mais aussi le dimanche où j'étais en solo pour parler de comment préparer son voyage au Japon. Tout au long du week-end, on pouvait participer à de nombreux concours et animations, aussi bien que des concours de jeux vidéo, du Just Dance, mais aussi de la K-pop et des ateliers cuisine. En général, quand on arrive par exemple dans un marché avec des plats insolites, tu as deux types de personnes, coréens, français, tout. Il y a des personnes qui voudront tester parce que c'est nouveau, qui veulent tester l'aventure, et t'en as d'autres justement, comme ils ne connaissent pas, ils ne veulent pas tester. Après, au Japon, en termes de choses sucrées, bon, il y a tout ce qui est Kit Kat, eux ils sont champions des Kit Kat à tous les goûts. Oui, j'ai vu des vidéos où vous faisiez des Kit Kat wasabi, des Kit Kat ouais, un peu spécial. Mais ça, c'est soft. Est-ce que vous avez déjà une petite idée de combien coûte un billet d'avion au Japon, en général? Vous verrez qu'au Japon, même dans les grandes villes, il y a du monde, et c'est calme. Et maintenant, place à la partie cosplay. Thank you.
Et voilà les amis, encore une convention qui se termine. Et ben une fois de plus, c'était encore un régal. J'ai rencontré des personnes adorables, j'ai vu plein d'abonnés, ça m'a fait extrêmement plaisir. Et bah, j'ai hâte de revenir la prochaine édition. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre, bien entendu, sur ma chaîne secondaire Lifestyle. Et puis, si vous aimez le gaming, bah, vous savez très bien, il y a la chaîne Twitch pour pas mal de lives dans la joie et la bonne humeur. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine convention. Ciao !